Ouh, elle est fumante, hein. Elle est fumante. Ouais. On va faire comme un souhait, on va dire que... Je bois pas d'eau, c'est interdit par ma religion. C'est là, c'est dans le règlement. Super, merci. Bon appétit. Bon appétit. Merci. Quelle chance vous avez en mangeant musique, hein, c'est pas possible. On est venu pour se filmer en train de manger. Ah bah on va y être. Comment dis-moi, Roger, qui mange ses barrières? Vous êtes un mordu de la vidéo? Hein? Vous êtes un mordu de la vidéo? Il a un compte YouTube, il met tout. Tout. Avant, il venait à Nuit Debout. Tu connais un peu Nuit Debout? Oui. Il filmait tout. Et bien, finalement, c'est une trace d'histoire, quoi, parce que d'archives, quoi. Mais il demande aux gens d'abord. Hein. Ben, ça fait le fond quand on mange, c'est tranquille. Ah ouais? On mange médiéval. Un concert privé, parce que. Ouais, vraiment. Thank you.
Salut, moi je peux. Merci. Bonjour, maman. Non, mais celle-ci, je me sens un peu à l'aise. C'est vrai que c'est un peu le même rythme que tout à l'heure, le minor service, mais ouais. L'autre changeait un peu la musique. Ouais. Mais bon, on peut continuer à travailler et puis ça fait un moment qu'on a pu jouer les gomangas. Toi, on peut le faire. Pas personnellement. On aura des occasions. Ils reviendront ici. Il est plus facile. Hein. Il aime les olives, c'est comme tout le monde. C'est tout le même accord. Ah oui, d'apprendre le jeu. C'est un point de dommage. Donc,
il raconte un petit peu cette obsession, comment depuis le plus tard âge, il était avec ça. Donc la famille lui disait... Bah, c'est pas dégueulasse. Je ne fais pas à droite, je ne fais pas à gauche, je ne fais plus droit. Je demande même de poser parce que tu vas vraiment nous faire mauvaise figure devant les gens. Alors moi, je ne le sais jamais, etc. Donc il est vraiment convaincu, il nous raconte cette espèce de conviction qu'il avait tout petit. Donc il doit vraiment être... Quand j'ai rencontré les nains mariés. Il montre qu'il est. Tu veux dire son style? Je te le dis. Ils ont tous beaucoup appris, sont tous beaucoup enrichis, mieux il y aura. Un avant et un après. Il dit Mahmoud Benaz. Il est mamien, l'imam de la mosquée Eno. Je suis mieux préparé aujourd'hui pour tirer les leçons de la laïcité et les mettre en pratique au sein de la communauté française de religion musulmane. Hier soir, ému et fier, 15 imams de Mourachidat, des membres de la société civile et du monde associatif, ont reçu une attestation de formation à la laïcité au cœur de l'Institut d'enseignement supérieur de travail social, représenté par son directeur Philippe Fadin. Quand nous avons imaginé cette formation, je me suis dit, oulala, ça va être compliqué. Nous avons assisté à des débats riches, bien posés, intelligents, intelligents. L'État français se note ce type de démarche. Une démarche tenue par les appels maritimes diversifiés. C'est une demande des imams eux-mêmes qui a abouti. Elle avait été formulée lors d'une rencontre en préfecture en avril 2015 pour lutter contre le fléau de l'ignorance et le radicalisme. Et donner au sens au pacte républicain. Le corps préfectoral a été exceptionnel de dévouement. Comment le directeur Razan Fadou. Les courtes sessions d'une journée ont été délivrées par André Tozel. Je n'ai pas dispensé cette formation dans un esprit de juxtaposition multiculturelle, mais interculturelle. Il faut chercher ce qui peut nous unir. Nous avons beaucoup de choses à partager sans pour autant gommer nos différences. Bon courage au professeur émérite de philosophie à l'université de Sophia Antipolis. Chaleureusement remercié par cet élève. Le plus il y aura d'initiatives communes, le plus de monde se portera. Souris, universitaire, Tozel, c'est une bénédiction, saluer l'imam en connaissance. Pour le sous-préfet Vinès, qui s'inscrit dans la droite ligne de ce projet lancé par son prédécesseur Sébastien Hilbert. Il s'agit dans un climat apaisé de légitimer la religion musulmane, au même titre que les autres religions, avec un objectif de vivre ensemble. Après l'attentat de Nice, il faut que les tensions aillent se minimiser. Il faut que la partie de la population qui montre du doigt les musulmans se rende compte de son erreur. Ce n'est pas l'islam qui a réussi en France, c'est une personne qui a exposé son côté, qui a martelé l'importance des valeurs de la République, une République qui se doit bien sûr être vigilante contre certaines dérives dans toutes les religions, vigilante contre certaines pratiques religieuses qui pourraient mettre à mal le vivre ensemble. Les Franck Vinès de conclure, il n'y a qu'une seule communauté dans notre pays, la communauté française. Jaïba, thérapeute, anthropologue, a suivi cette formation avec bonheur. Mon prénom vient de Djihad. Ça veut dire la guerre, la lutte, mais contre son propre ego. C'est d'être dans le respect de soi pour respecter l'autre. Lorsque l'on fait la guerre à quelqu'un, c'est que l'on n'est pas en paix avec soi-même, dit la jeune femme. Pas faux. Bon. Très sage, elle poursuit. La devise française est formidable, liberté, égalité, fraternité. Il faut nourrir la notion de fraternité. On est tous frères en humanité. Connaître l'autre, partager l'autre, c'est le respect de l'altérité.
et c'est ça l'amour. L'aboutissement de cette formation, c'est un hasard, intervient à un jour près de la date anniversaire du 111 ans de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. L'intervention de la laïcité à la France. Important. La bombe, ce qu'elle dit. Si jusqu'en 1999, le débat autour de la laïcité opposait principalement les militants laïcs et les conservateurs, c'est l'islam qui devient alors l'objet de toutes les interrogations, voire des suspicions. Argument très clair. Et il en est sûr, il y a un défi à relever aujourd'hui pour créer et maintenir le dialogue entre les citoyens de confession musulmane. Signé Stéphanie Kézine. Et bien demain, on aura un article. Elle est bien la plus haute. J'ai séparé la toile parce qu'en fait, la structure en métier de l'UNICEF, elle marche sur deux mesures. Il y a la vue humaine, il y a la vue de l'éternel. Ça va donner.